Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de la survie du week-end. Après une très longue pause pour moi. Une très longue pause. Bon, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. On a eu beaucoup de rajouts. On a eu la partie 2 en fait du DLC, de l'extension. Évidemment, Interland a été très malin et ne l'a pas mis en intrus. Donc on avait strictement rien de nouveau en intrus, à part les trucs gratuits qui sont pas vraiment intéressants. Et donc oui, contenu payant hein, qui n'était pas disponible en intrus. On a dû attendre plusieurs semaines et on a dû gueuler. Il y en a qui se sont fait bannir du chat de Steam et tout ça parce que les gens étaient assez mécontents. Donc oui, il y a eu des problèmes, mais on l'a eu maintenant en intrus, donc ça c'est bien. Donc on va pouvoir continuer. Entre-temps aussi, on a dû un peu attendre. Alors ça, c'est personnellement, c'est moi qui l'ai fait. J'ai voulu attendre en fait parce que je connais Interland. Hein, ils font pas les choses très très bien la plupart du temps. Et il y a eu deux très gros correctifs en fait. On va regarder ça après. Bon, il y a eu deux très très gros correctifs. Un genre qui permet de ne pas avoir genre la. Je crois que c'est une antenne genre qui est cassée indéfiniment en fait. Vous pouvez pas la réparer, des trucs comme ça. Donc il y avait plein de problèmes encore une fois. Donc maintenant on est prêt pour recommencer, se replonger en fait dans notre aventure avec la partie 2 de l'extension et les nouveautés qu'elle apporte. Donc ouais. En tout cas, moi ça fait un bon mois, voire plus, que j'ai pas joué au jeu. Je vais être honnête, ça va être extrêmement dur de me remettre dedans, parce que j'étais bien motivé dedans, et quand j'ai vu qu'il y avait strictement rien en intrus, rien de nouveau en fait de ce que j'avais payé, j'ai été vraiment extrêmement déçu. J'étais une des voix qui gueulait beaucoup sur Steam, et les développeurs n'étaient pas très contents des fois. Mais bon, il fallait le faire et on a eu résultat, on a eu très bons résultats, c'est bien. Mais j'ai un peu perdu la motivation pour le moment. Donc on va devoir se replonger petit à petit, ça va revenir. Parce qu'en fait, on va devoir. Le problème, c'est qu'on va devoir refaire pas mal de zones qu'on a déjà vues. Parce que, évidemment, quand on rajoute du contenu sur une partie qui vient de. Qui, une partie qui. Pas qui vient, mais qui est déjà commencée, on a des choses comme ça. Donc, bienvenue aux nouveaux objets qui sont dans des lieux qu'on a déjà visités. Donc, ça va être un peu problématique pour ça. Il va falloir revenir sur nos pas partout. Donc, un fusible électrique, il a l'air vieux, mais on dirait qu'il devrait fonctionner. Ok, donc on a ça. J'ai vu qu'il y avait deux câbles en tout qui traînaient. On a un câble ici. Donc un lot de câbles anciens mais en bon état. Et après on en a un ici. Lot de câbles anciens, c'est quoi ça? Ok. En plus c'est. Oui bah du coup c'est Canada. C'est pas des prises européennes. C'est prises américaines. Je crois qu'on n'a rien d'autre ici. Je crois qu'on n'a rien d'autre. Il va falloir faire attention aussi parce que, comme vous avez vu, bon, j'ai beaucoup de pots. Alors, ce qui s'est passé, parce que j'ai fait une pause entre-temps, mais j'ai continué un peu à jouer avant qu'ils annoncent en fait la partie 2, c'est que j'ai plus ou moins farmé. Je vais vous montrer vite fait, genre les skills, je crois qu'ils n'ont pas vraiment changé. On est toujours à 5, donc carcasse, cuisine et tir à l'arc. Allumer le feu, Johnny, on est presque à 5, pas encore. J'ai fait un peu de pêche. Et après, j'ai lu peut-être quelques livres, mais pas grand-chose. Et raccommodage, on est à 3. Et c'est à peu près tout, honnêtement. Il s'est pas passé énormément de choses. J'ai fait beaucoup de viande et tout ça. Donc, on peut en fait partir maintenant pendant très longtemps. On a aussi beaucoup d'eau. J'ai fait beaucoup d'eau, vous pouvez voir. Donc là, ça, c'est cool. On a donc la nourriture qui est humaine, on va dire ça encore une fois. La nourriture humaine qui est là. J'ai essayé de rien manger. Donc comme j'ai dit, on a beaucoup d'eau, on a beaucoup d'objets. Donc pour les petites nouveautés aussi, pour les crafts par exemple, nous avons ça, nous avons les glands. Donc maintenant on va pouvoir récupérer des glands. Donc je pense que les glands, et je crois qu'on me l'a dit aussi en commentaire, c'est comme les bouleaux en fait. C'est que je pense qu'il faut peut-être une tempête. Genre une petite tempête et vous allez revoir des glands par terre comme les écorces, les petits bouts de bois, les gros bouts de bois aussi, tant qu'on y est. Donc tout ça revient petit à petit. Donc ouais. Je vais boire un coup parce que je parle trop. Donc on a ça. Par contre, donc on peut. Alors apparemment, on peut directement les manger. Faites-les cuire avant de les manger ou les broyer pour faire du café. Ou alors on peut les broyer. Par contre, les broyer, ça nécessite un marteau. Un marteau lourd. Et j'avoue que ça, c'est un peu embêtant. Alors j'espère que c'est pas lourd, les glands. J'en ai pas vu. 0,5.
Ouais, non, mais ça va alors, 0,25. On peut peut-être faire une. Genre une bonne réserve. Vous savez comment on fait des réserves de baies et tout ça? J'ai pensé à ça. Genre on fait une bonne réserve. Et quand on arrive à un camp avec un marteau, on prépare tout en fait. Parce que honnêtement, faire de la nourriture, ça nous intéresse plus trop. Parce que la nourriture, on peut manger de la viande, hein, on s'en fout. Donc je dirais faire plein de café avec ça, ça peut être intéressant. Je sais pas trop comment ça va fonctionner. Je sais, ils disent que c'est un café léger, donc j'imagine que ça va pas être aussi puissant que ça. Mais bon, si ça nous permet de faire un café qui est sympa, qui donne un peu des buffs et tout ça, pourquoi pas. Donc on va laisser ça là. On a combien d'eau sur nous? C'est pas là l'eau. Je vais faire tellement d'erreurs dans le jeu. 1,75, on va prendre ça, ça. Mes raccourcis fonctionnent, on est bon. Voilà. Alors. Je pense que j'ai un peu une idée dans cet épisode, vu que c'est l'épisode de la reprise. Alors, oui, on doit retourner dans la zone. Je peux pas, c'est con que ça, que je peux pas accéder à la zone de DLC. On va devoir retourner à la zone de DLC. Ça, c'est un oui, il faut aller récupérer donc la radio, du coup. Le problème, c'est que, bon, on est un peu à l'opposé. Hein, on est à l'autoroute côtière, donc c'est ça, c'est le bord là. On est ici. Donc il y a quand même pas mal de chemin à faire, j'ai envie de dire. Est-ce que je vais le montrer? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Par contre, on a l'autoroute côtière. Et une chose que je veux voir, c'est... je voudrais me balader en fait en bordure d'eau. On va récupérer un peu de nourriture aussi. Pour ce qui est de toutes les choses électriques, je sais pas trop où les mettre. Je vais voir un peu. Là. Ça là. Bam. On peut mettre ça là pour le moment. Je pense qu'on peut, sortir honnêtement. On n'est pas très lourd. Ça va. On n'est pas très lourd. On a l'équipement. Attendez. On a des flèches, j'ai mon arc. Bon, ça c'est un arc usé, mais c'est bon. On a des torches. J'ai mon sac de couchage ou pas? Non, j'ai pas mon sac de couchage. Est-ce que je le prends ou pas? Je pense pas que j'ai besoin de le prendre. Alors, ce que je voudrais faire, donc comme j'ai dit, on est à l'autoroute côtière. Je veux aller en bord d'eau. Pourquoi? Parce que apparemment, on peut récupérer pas mal d'objets. On va prendre ça. Donc oui, j'ai eu un élan aussi qui m'a attaqué. Donc du coup, j'ai beaucoup de nourriture, vous voyez. J'ai plus beaucoup de bois par contre. Donc ça faut faire attention. Faudrait que j'en prenne un peu du bois. J'ai vu qu'il y a un nouveau raccourci là. Quand on sort l'arc, il y a écrit R changer. Je pense que c'est pour changer les flèches parce que maintenant on a des flèches qui sont durcies au feu. Donc on va pouvoir en faire aussi. Ouais. Ça c'est bête qu'on ait un vent. Aïe aïe aïe. Là, on met du vent, là, ça c'est embêtant. Alors pourquoi je vais aller au bord de l'eau? Parce que apparemment, maintenant on a des... Alors je sais pas comment ça s'appelle en français. Bah, genre en fait des choses qui peuvent s'échouer en bord d'eau, quoi. Je sais qu'ils ont un mot spécial pour en anglais, mais je me rappelle plus. Et on peut avoir genre un bateau, plein de différents objets et tout ça. Je crois que ça doit être un ours. C'est un peu gros. Non, ça doit être un loup, en fait. En plus, il fait pas très froid. On va un peu avancer. On peut courir. Donc, j'avoue que je voudrais, en fait, un peu regarder en bord d'eau. Alors, c'est... Honnêtement, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose. Hein. Je suis d'accord. Il y a très peu de chances qu'il y ait quelque chose. Parce qu'il faut souvent attendre, en fait, des grosses tempêtes. Mais, voilà. J'ai envie d'aller voir un peu. Et aussi, ça nous permet de revisiter les cabanes, genre les maisons là-bas, là. Oh, il y a des cerfs là-bas. Pour voir si on peut pas récupérer des objets pour... genre des nouveaux objets, genre les câbles électriques, les fusibles, les trucs comme ça. Je sais pas exactement combien on en a. Si jamais on en a là, ça veut dire qu'il y a une tour ici, j'imagine. Je pense. Dites-moi dans les commentaires ça, parce que ça, je me suis pas renseigné vraiment. Est-ce qu'il y a des tours dans... toutes les régions ou pas? Ça c'est un truc que je veux bien savoir. Là, de ce que je vois rien de nouveau, en tout cas. Là-bas, ça c'est la tour en rouge, là. Je sais pas si vous la voyez bien. Genre là.
C'est la tour de guet là, mais c'est pas une tour électrique. C'est pas une tour radio en fait. Parce qu'apparemment il y aurait des tours de radio, d'ondes courtes, et ça nous permet d'utiliser la radio en fait. Donc voilà. Après moi je suspecte que si on trouve des objets dans la zone, ça veut dire qu'il y a une tour. Mais bon, c'est peut-être faux en fait ce que je dis. Je vois rien honnêtement. Donc ouais, je veux bien savoir ça. Parce que ça c'est vraiment pas une information que je me suis spoilé ou quoi que ce soit. Ah, la mer a changé. Je crois qu'elle est un peu plus sombre aussi pour un peu mieux démarquer, je pense. Faudra qu'on prenne nos crampons aussi tant qu'on y est, quand on partira. Je vais juste faire attention s'il n'y a pas des loups et trucs et tout ça. Il fait encore un peu jour. On va directement rentrer. Et on va juste regarder vite fait le bâtiment. Très vite. Parce qu'on a déjà fouillé cet endroit. Mais je veux voir s'il n'y a pas d'autres objets en fait qui sont apparus. Ça c'est un peu le problème, comme j'ai dit. On va devoir refaire des allers-retours sur des lieux qu'on connaît déjà. Juste au cas où s'il n'y a pas... Ouh, c'est assez sombre. Juste au cas où s'il n'y a pas des... Ah, j'ai pas ma lampe sur moi. Des câbles. Ou des fusibles, des trucs comme ça. Après, peut-être que la tour est tout simplement à côté de la station service. Hein. Peut-être. Hein. J'ai pas vraiment regardé autour hein, quand je suis sorti. Quand j'ai relancé en fait ma partie, je suis resté juste dans le garage. J'ai fait en sorte que tout soit plus ou moins prêt. C'est pour ça qu'on est un peu en fait en fin de journée. Mais je me suis dit que, ouais, épisode de retour, on va peut-être, genre pas partir maintenant exactement. On va juste prendre un tout petit peu de temps. On va faire le tour, on voit s'il n'y a pas des nouveautés qu'on peut récupérer. Genre, même les glands et tout, ce serait bien de pouvoir en récupérer. Pour le moment, je vois pas grand-chose sur le bord de l'eau. Ouais, non, je pense qu'on va devoir attendre une grosse tempête. Hop, oh, il m'a fait peur. Il est où, ce con? Il est là, ok. Hop. On va bien se mettre pour pouvoir lui mettre une bonne flèche. Ok. Donc ouais, je vois pas grand chose pour le moment. Mais je sais qu'apparemment même des bateaux genre peuvent s'échouer. C'est énorme honnêtement si c'est vrai. Si ça arrive, c'est top. Je crois voir des objets, faut que je m'approche par contre. Je pense. Attends. On va d'abord s'occuper de toi parce que tu m'embêtes. Ok. Je crois voir des choses, je suis pas complètement sûr. Non, il n'y a rien en fait. Ouais, non, le bord de l'eau a changé, hein, c'était pas comme ça. Ouais. Bon, rien pour le moment. Rien pour le moment. Ah, c'est vrai que c'est un peu embêtant de devoir refaire les mêmes endroits pour être sûr. Pour l'instant, je vois pas de tour radio. Après, si c'est une tour radio, j'imagine qu'elle devrait être en hauteur.
Mais ouais, faut, je veux bien me renseigner par rapport à ça. Pour les tours. Après, je pense que je vais montrer le retour à l'aéroport. Je crois que quand on avait fait l'aéroport, on n'avait pas encore genre la cuisine niveau 5 et tout ça, je crois bien. Donc c'était un peu difficile parce qu'il fallait aller chasser des cerfs et tout. On a même failli mourir plusieurs fois aussi. Ça, ça arrive souvent. Y a une chose aussi, les glands là, ça vient de quel arbre? Je voudrais bien savoir en fait de quel arbre ça vient. Est-ce qu'on a maintenant des nouveaux arbres ou pas? Je voudrais bien faire du feu aussi pour pouvoir faire des nouvelles flèches. Donc ça aussi, on va en faire un peu. Voir un peu comment ça fonctionne. C'est une chose qui est plutôt bien parce que moi j'utilise souvent l'arc pour tout chasser en fait. Que ça soit prédateur ou genre même lapin. Et c'est vrai qu'utiliser des flèches normales en fait, qui sont difficiles à faire et tout ça. Pour les lapins, bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant, j'avoue. J'avoue que on les casse vite quand même. Donc à chaque fois, il faut trouver toujours pas mal de bois pour pouvoir continuer à faire des flèches. Donc là, c'est vrai que ça peut nous aider. Ça peut vraiment nous aider. Ça évitera de gaspiller des flèches, en fait. Okay, ça a l'air d'être vide. Donc ouais, ça c'est une chose qui est plutôt bien, j'avoue. Beaucoup de morceaux de bois, par contre. J'ai remarqué. La mer, maintenant, elle est vachement sombre. Hein. Ça fait peur. Hein. Honnêtement. Je vais être honnête. J'ai bien envie de rester un petit moment là. Et attendre une tempête. Et voir si on peut pas récupérer des choses en bord d'eau. Honnêtement. Mais bon. Ça peut arriver genre maintenant. Ou alors dans 3 jours, quoi. Donc, bon. Peut-être pas la meilleure des choses. Ah, fait pas froid, en tout cas. J'entends le bruit d'eau, genre de l'eau qui tape sur quelque chose, contre quelque chose. Oh. C'est bon, on est bon. Tout va bien. On va aller un peu se balader en bord d'autoroute, je pense. On va aller dans les petits villages. Que là, on a fait deux petites maisons où la plupart du temps, il n'y a pas grand-chose. Donc peut-être qu'on trouvera plus de choses là-dedans, là, en fait, dans les deux petits villages qui sont sur le bord de route. Bien. On a aussi une histoire du coup à faire, donc on va faire ça en intrus, ça va être bien. Je suis à l'affût en fait de voir s'il n'y a pas quelque chose, genre une tour, une nouvelle tour, un truc nouveau. Pour le moment, je vois rien. Par contre, il commence à faire un peu sombre. Ah, voilà. Là, peut-être qu'on peut trouver quelque chose. J'aurais dû prendre avec moi une lampe. Là, je regrette. Ouais, je regrette. J'aurais dû prendre une des lampes. En plus, je crois qu'on en a plusieurs. Ouais, ça, c'était bête de ma part. Là, on a encore un loup, là. Ici. Ah.
tout va bien. Mais bon, il n'est pas après nous, ça va. Très bien. On va aller vers les maisons. Pourquoi pas, on refait un peu les lieux vite fait. Ça m'étonnerait qu'on trouve des choses, hein, mais c'est un peu pour se remettre dans l'ambiance et tout ça, enfin surtout pour moi. Alors, on peut prendre du tissu. Il va faire nuit bientôt, on va devoir dormir. Mais on a de l'eau et de la viande, donc il n'y a pas trop de problème. Ça, ça me fera un peu de surplus. Parce qu'on en a besoin à chaque fois de du tissu. Hein. Le tissu part très 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 vite. Je suis en train de me demander, vous croyez qu'on devrait suivre des lignes de tension ou alors des câbles? Genre juste au cas où. S'il faut, il n'y a pas de tour. Hein. S'il faut, il n'y a rien ici. Hein. Mais bon, déjà, on a trouvé des câbles et un fusible. C'est déjà bien. Et apparemment, il nous faut aussi... Ça, je sais. Il nous faut une batterie. Mais les batteries, en fait, c'est extrêmement rare en intrus. Donc, en théorie, ils l'ont dit. Ils ont dit qu'ils ont rajouté des batteries. Genre, en théorie, on devrait trouver une batterie genre à côté de l'antenne, en gros. Même en intrus. Même en intrus. C'est vrai que les batteries sont extrêmement rares. Surtout que les batteries, si je dis pas de bêtises, on peut les casser en fait pour récupérer le plomb. Donc du coup, en théorie, on pourrait genre ne plus avoir de batterie quoi dans le monde. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça, je pense que c'est des choses où ils ont pas vraiment pensé à ça aussi, je pense. Que les batteries, je crois que si on a un marteau, on peut la détruire et récupérer les plaques de métal dedans pour faire du plomb, je crois. Enfin, les plaques de plomb pour pouvoir faire des balles. Est-ce qu'on dort maintenant? Pour faire des balles, je crois bien. Et ben, du coup, on... C'est une possibilité de plus avoir de batterie. On pourrait dormir. Je crois qu'il va faire un peu sombre après. Ah, il va peut-être avoir une tempête en plus. Ce serait... Ça serait intéressant. Regardez s'il n'y a pas des bateaux qui s'échouent ou des trucs comme ça. Ouais, on va dormir, on va dormir. Alors, on va voir si on peut pas passer le temps un peu. Parce que je suis un peu... Comment dire, je suis un peu divisé là. Je voudrais aller dans la forêt... Genre en hauteur pour voir si on peut pas récupérer des glands, parce que c'est nouveau. Et je suis divisé où j'ai vraiment envie de refaire le bord de l'eau pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'échoue en fait. Donc c'est un peu embêtant, j'avoue. J'avoue que c'est un peu embêtant. J'ai envie de faire un truc et l'autre en même temps, mais c'est complètement à l'opposé. Donc on devrait avoir le temps. Parfait, nickel. Nickel, nickel. Après, ça va beaucoup mieux se passer, hein, notre voyage. Parce que on est à plus 15, on a le sac à dos technique, plus le sac en élan, plus...
bien reposé, donc honnêtement, ça va mieux se passer notre voyage. On peut voyager léger, enfin, on peut transporter beaucoup de choses, on va dire, et toujours être léger. On va dormir encore un peu. On n'est pas assez fatigué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a rien à préparer par contre. J'ai strictement rien à préparer. Ah, c'est embêtant ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à récupérer du bois. On va rentrer à la maison et on va faire un peu de feu. Ça fera un peu d'eau déjà, c'est jamais perdu. Mais surtout, on essaiera de faire des nouvelles flèches. Ça m'intéresse par contre. Ça m'intéresse. Après, j'ai découvert pas mal d'endroits, mais j'imagine que s'ils ont rajouté genre une tour, elle va pas être dessinée automatiquement. Ouais, donc je sais pas. Ouais, je sais pas. Après, on a la mine aussi. La mine, elle est où exactement? Je me rappelle plus. Ça, c'est le pont. Je crois qu'elle est là. Je voudrais bien avoir une aurore boréale pour pouvoir aller dedans avec l'ascenseur, vous savez. Par contre, ah non. Non, en fait, non, j'ai pas pris de lampe sur moi. Non, on peut pas faire ça. Non, trop risqué. Trop risqué, j'ai pas de lampe sur moi. Hop. Ok, très bien. Toujours avoir une lampe sur soi. Surtout qu'on est limité à 45. Donc, il faut en profiter. Un peu de brouillard. Pas extrêmement froid. On va visiter la forêt. On va visiter un peu la forêt. Ce sera notre épisode de... J'aime pas trop faire des épisodes comme ça où il se passe pas grand-chose, mais ce sera notre épisode de reprise après moult mises à jour. Faut faire gaffe parce qu'on a un ours qui traîne. On l'avait vu la dernière fois. Très bien. Après, j'aime beaucoup le fait qu'on... Après, il faut les crafter déjà pour être vraiment sûr. Mais si on peut changer de flèche en fait à tout moment, ça c'est plutôt cool. J'avais peur qu'on soit obligé d'aller genre dans l'inventaire et tout ça. Donc si on peut tout simplement presser une touche et changer le type de flèche, ça c'est magnifique. Tout ce que je demandais. On va prendre les massettes. Prendre des massettes, c'est jamais une mauvaise idée. J'entends quelque chose. Come on.
J'entends quelque chose qui bouge. Ah, ah voilà. Fausse alerte. Fausse alerte. Did I say I hate being cold? Because I really do. Ok, on peut partir. On a des champignons. Ok, par contre, on commence à avoir un peu froid. Mais oh, chauffard. Ouais, j'avoue que là il fait un peu froid. J'avoue que c'est pas le top. Moi aussi je peux le faire. Ok. Je pense qu'on avait tout fouillé honnêtement. Donc ça m'étonnerait qu'on trouve des nouveautés. À part si ça a été bien sûr rajouté. On va devoir se bouger un peu les fesses. C'est bête qu'il fasse pas jour, enfin que ce soit pas lumineux, comme ça on aurait pu utiliser la loupe. Tiens, on a du bois, ça c'est toujours une bonne chose. Très bien. Toujours le problème de où on n'entend pas en fait, c'est très bizarre. On va aller sur la route. On va essayer de trouver un mobilhome et tout ça. Je vais peut-être pas pouvoir monter là par contre. Par contre, j'ai pas mes crampons, ça va être problématique. Si on fait. Merde. Si on fait du tout terrain. Ok, il va falloir qu'on trouve un abri et on va faire du feu. Faire attention parce qu'il y avait un loup pas loin. Ok. Et juste sur la route, on pourrait. Enfin, on pourrait se le faire et après. Genre manger le loup. J'ai envie de dire. Je sais pas si on était allé là. On avait peut-être pas fouillé là. Cette zone là, en haut là. Je crois que c'est un cul-de-sac, mais je crois qu'il y a des bâtiments. Là je sais plus, ça fait un moment maintenant. Ah si, je crois. Oui non, si on a dû aller, on a dû y aller. On a dû y aller. Décharge. Ouais ouais ouais. C'est pas nouveau. Ah ok, on peut se réchauffer. Ouais, on était déjà venu.
Ce qu'on peut faire à la limite, c'est comme j'ai dit, faire du feu. J'ai envie. Ouais, on peut faire du feu à la limite, à l'extérieur. Ah, je vais être honnête, je voudrais bien. Quand même faire du feu quand on est chez nous. On va se reposer une heure, histoire de se réchauffer. On va se reposer une heure. Et on va rentrer. Et on va rentrer chez nous. Et après, on va préparer donc notre voyage et on partira aller récupérer la radio. On aurait pu, comme j'ai dit, on aurait pu partir maintenant, mais voilà, j'avais envie de bien me remettre dans le jeu. Poum poum poum. Là. Ok, j'ai rien dit. Ok, très bien. C'est embêtant que je trouve rien. Rien de nouveau. J'aurais bien voulu trouver quelques petits trucs quand même. Et là, on a absolument rien de nouveau. C'est un peu embêtant. Il y a une petite maison ici. Ah, tiens, je sais pas si on y était allé là. Ah, je dirais que oui. On va voir. C'est un peu la maison qui est perdue en. Ouais, on était déjà venu. Un peu la maison un peu perdue. Des fois, on passe à côté sans vraiment le voir. Enfin, la voir. J'ai vu une plume. Deux même. Ouais, rien de bien. De bien spécial. Fait pas très froid hein, en ce moment. C'est du charbon. J'ai brûlé. Ça aussi, ça a changé. Les icônes et tout ça, ça a changé. C'est pas mal. Alors, au cas où, s'il y a des trucs en plus. Mais ça m'étonnerait. Non. On va faire le tour, on va revenir doucement, on va rentrer doucement. En tout cas, ça nous fait une bonne petite promenade pour récupérer du bois, à la limite, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Oh, doucement. Ok, on est à mi-hauteur, je crois bien, si je dis pas de bêtises. On est à mi-hauteur. Alors, on peut descendre. Là, apparemment, il y aura un cadavre. Peut-être une carcasse. Si c'est une carcasse, ça sert pas à grand-chose. Mais si c'est un cadavre. J'arrive pas à voir. Je pense qu'on va devoir descendre. De toute façon, ça descend. Bien. Nickel. Ah, il y a des loups. Oh.
Wow, cool. Vas-y, me sens pas, me renifle pas. Pas vraiment le temps. Ok, nickel. On a trouvé des chaussures. Ça fait du cuir, honnêtement. C'est pas rien. Donc, content. Ah, c'est un loup, ça. C'est juste l'arbre qui a un bout noir, là. Qui est noirci à la base. Non, c'est juste un morceau de roche. Ok, on est bon. Zéro indication d'une tour, rien. C'est quoi, c'est un stop, ça? On est bientôt chez nous. On va peut-être faire une petite pause ici. Je sais pas exactement ce qu'il faut pour faire des flèches au feu, là. J'aime bien des fois prendre genre deux minutes, enfin quelques secondes pour regarder un peu autour de soi. Juste au cas où s'il n'y a pas quelque chose. Ok, rien. Rien. Rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On peut se reposer une petite heure encore une fois. Bah du coup ça m'a permis de récupérer pas mal de bois en fait. Donc ça va. On commence à avoir faim. On est bien équipé niveau chaleur et tout. Ah oui, c'est là. Ah, attends, fais voir. Elle est pas marquée, je crois, sur la. Ok. Au moins qu'elle soit marquée, mais que j'ai pas fait attention. Vers la mine abandonnée. Je sais que la mine abandonnée, on était allé à l'intérieur, mais il y a un ascenseur. Et si je dis pas de bêtises, si je confonds pas avec l'histoire, il faut attendre qu'on ait une aurore boréale pour y accéder. Mais encore une fois, on n'y ira pas si on n'a pas une lampe au moins. Une lampe pleine. Parce que je sais que c'est super sombre. Il nous faut pas mal de vivres. Parce que c'est un peu grand. Donc autant prendre pas mal de nourriture, de l'eau. Une lampe. Du bois au cas où si on doit faire du feu. Ou alors genre faire des torches plutôt. Et après, on visite. J'aurais dû prendre plus de nourriture. Vous voyez, là, j'ai... Faute de ma part, ou je me rappelle plus vraiment. Après, on a des massettes, hein, au pire. On peut éviter de taper dedans.
C'est un feu que j'avais fait, je crois, quand j'avais tué plein de loups. C'est bête que les coffres... non, les capots restent plus ouverts. Hein. Ça, c'est... Ça, honnêtement, c'est embêtant. C'est très embêtant, je trouve, pour moi. C'est un feu ou une carcasse? Je crois que c'est une carcasse, encore. Ok, on a la maison. Bon, bah du coup, on a... Ouais, on a récupéré du bois, quoi. Qu'est-ce que... Ouais, je sais pas quoi dire d'autre. On a récupéré juste du bois. Quelqu'un voit une tour d'onde radio. Quelque chose de nouveau. Non. Je sais pas, ça m'intrigue, en fait, de trouver des câbles et des infusibles ici. Qu'est-ce que t'es gros, toi? Je crois qu'il reste plus grand-chose dessus. Ouais, juste des boyaux. Voilà. Huh, peut-être qu'ils restent maintenant. Peut-être qu'ils ont corrigé ça, en fait. Entre-temps. Ok, on va regarder un peu notre tas de bois et tout ça. Donc là, j'ai du bois de récupération, j'ai un tout petit peu de charbon. Ok, très bien. Je vais en prendre un peu d'eau. La lampe, parce que sinon j'ai oublié. Alors là, on a une lampe à 0,40, 67%. Enfin, après, les pourcentages, on s'en fout. J'en avais que deux ici, je pense. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose en dessous. Ça. Est-ce qu'on la remplit? 0,40. Faudrait qu'elle soit à 1 litre. Je pense qu'on peut la remplir. De toute façon, j'ai pas... Ah oui, peut-être qu'il y a des choses qui lui sont apparues. Genre... Oh! Il y a un truc, là. Je me suis dit, peut-être qu'il y a des choses qui sont apparues, en fait, dans les objets posés. Visible de rechange. Ok. Là, y a rien. Ah, ça va être embêtant hein, dans les endroits où on a où on a placé nos choses. Il n'y a pas un écho maintenant, ils ont rajouté. Là, est-ce que... Putain, je vois pas grand-chose, je vais être honnête. Non. Non. Ok. Je pense qu'on est bon. On avait mis ça où, là? Ouais. Ok, on a deux fusibles, deux câbles. Je sais pas combien il faut, en fait. Par tour. Là, c'est le surplus que j'avais mis. Ah bah tiens. Les massettes. Non, une dizaine sur soi, c'est très bien. Maintenant, je regarde tout. Hein.
Ah ouais, non, mais ça c'est un peu le... Ça va être un petit problème pour nous. J'avoue que ça va être un petit problème. Pour les endroits qu'on a blindés, parce que... Voilà, quoi. Ça va être un problème. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Ouais, faut faire attention à ça. Ok. Faut leur faire un tout petit peu attention à ça. Est-ce que des boîtes en carton? Ok. Qu'est-ce qu'on fait pour la fin? On fait un peu de... un peu de feu pour voir un peu ce que ça donne, les flèches je dirais, parce que je suis un peu curieux moi aussi. Ça nous fait gaspiller une, ça nous fait gaspiller un peu une allumette pour rien, je vais être honnête. Ah, où on le fera pour la prochaine fois, parce que je suis pas trop d'humeur à vouloir gaspiller une allumette en fait, je vais être franc. Les feux, c'est pas comme si. C'est pas comme si que c'était quelque chose qu'on faisait pas souvent. Hein. 60! Eh ben putain. Je pensais pas en avoir récupéré autant. Oh, c'est cool. Charbon. 24. Vous imaginez le nombre de feux que j'ai fait? Et après, il y a plusieurs petits feux. Je les ai fait exprès pour. Vous savez, pour prendre des niveaux. Ah, tu me tentes. Tu fais exprès le... Ah, tu fais exprès. Ah. Allez. Le temps qui fait exprès. Genre, ah mais tiens, je vais te mettre de la lumière juste maintenant. Juste exprès pour que tu sois forcé à faire un feu et comme ça on voit comment on fait les flèches là. Je dirais qu'il nous faudrait une dizaine de flèches. Alors combien de temps? 45 minutes, je vais voir. Oh. C'est quoi ça? Prendre torche. Ok, ouais, ça a changé, il faut que je m'habitue. 2 heures. Très bien. Comme ça nous fait 2 litres d'eau. J'aurais peut-être même pas dû en faire. Bon, alors, on a cuir maintenant. Alors, aucun emplacement de cuisson. Oui, parce que j'ai mis de l'eau dans les deux. Donc, on a prendre torche, eau, cuir, fabrication. Donc, flèche durcie par le feu. Craft 3 flèches, flèche ordinaire d'ici par le feu. Elle est fragile mais simple à fabriquer. Elle n'est efficace que sur le petit gibier. Ah, il faut quand même des plumes de corbeau. Hein. 5 bâtons et 5 plumes. Ouais, il faut quand même des plumes de corbeau. Ah, vas-y. Il y a un truc qui se balade. Non. Alors, fais voir, changer. Pas mal, pas mal. Et on peut... Elle s'abîme ou pas? Alors, fais voir un peu. Alors, ça, c'est les flèches lucies par le feu. Ouais, 90%, ça va. Bon bah ça va, c'est cool. Attends, il y a un truc qui se balade ou quoi? Ça va, le changement de flèche est rapide. Hein. Le changement de flèche est rapide. Donc ça c'est cool. Si je cache mon arc, enfin je range mon arc, je le ressors. Elle prend les dernières flèches que j'ai mis, je crois. On va voir un peu. Ouais, elle prend les dernières flèches que j'ai mis, donc très très bon. Ok, très bonne mécanique. Ça va, ils ont...
pour une fois. Ils ont bien travaillé. On va en faire... Ah. Putain, ça m'a fait... Il est où, ce con? Il doit être juste derrière. Ah, il est là. Ah, il m'a fait peur. Je savais bien qu'il y avait un... J'entendais un truc qui rôdait depuis tout à l'heure. Je vais récupérer des plumes. J'avais bien entendu des trucs. Ah là 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 là. Flèche simple. Saloperie. Là. Vas-y, ramène-toi. Tu devrais revenir maintenant. Allez, regarde, je suis loin du feu maintenant. Je suis loin du feu, vas-y, viens. Vas-y, viens. Ramène-toi. Très bien. Bon bah voilà, le feu il n'est pas inutile. En 2 minutes. Ça, au potable. Très bien. Hop. -49 minutes, ça va. Fabrication. Encore. Dites-moi aussi dans les commentaires, il y a des choses que je voudrais savoir en fait sur les nouvelles flèches. Genre, ils disent que les nouvelles flèches elles sont bonnes que pour le petit gibier en fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on ne peut pas tuer en fait avec... Il manque quoi, des bâtons? Est-ce qu'on peut tuer avec des flèches de feu par exemple? Enfin de feu, vous avez compris. Est-ce qu'on peut tuer? Est-ce que ça... Je vais commencer à gueuler parce qu'il y a du... Du vent. Ouais. Par contre, le menu, c'est toujours le même. C'est pourri, ce menu. Il faudrait un menu encadré, en fait, honnêtement. Il faudrait encadrer et tout en ligne, comme ça. Ce serait nettement mieux. Ce serait nettement mieux. Ah merde, du coup, il me reste encore un truc de viande. Pas grave. On va rentrer. Donc, il y a des choses que je voudrais savoir. Genre, est-ce que quelqu'un a déjà combattu, en fait, avec les flèches? On va la briser, on va la recycler. Avec les flèches durcies par le feu, est-ce qu'on peut tuer, genre, un loup avec... Est-ce que ça vous prenez de l'expérience? Nous on est déjà au max. Nous on est déjà au niveau 5. Mais est-ce que vous prenez de l'expérience à crafter des flèches comme ça? Parce que si vous prenez de l'expérience à crafter des flèches comme ça, c'est pas mal. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Ça peut être utile. Donc ouais, c'est des petites choses que je voudrais savoir par rapport à ça. Parce que vu que nous on est un peu avancé, du coup c'est un peu compliqué. Mais ouais, j'aime beaucoup leur rajout de gameplay, là, de changer des flèches et tout ça. Ça, c'est cool. Honnêtement, c'est très bien. C'est très rapide à faire. Ouais, c'est très rapide à faire, c'est très bien. Très content de ça.
On va utiliser ces flèches surtout pour les lapins, hein, parce que comme je fais toujours, hein, vous avez vu que moi je chasse maintenant les lapins à l'arc, hein, c'est nettement plus rapide, parce que si vous le chassez ça à la pierre, c'est devenu un peu chiant. Enfin moi j'aime plus trop franchement utiliser les pierres, c'est un peu relou. Donc ça c'est une très bonne chose. On a du tissu. Pas mal de tissu. Je crois qu'on va être plein là. Ouais, ça va, on a encore presque un kilo. Ouais, on va vraiment les utiliser ces flèches-là. C'est quoi? C'est 0,10 lune. Une flèche normale, c'est quoi? 0,15, je crois. Ouais, 0,15. Donc ça va, c'est un peu plus léger aussi. Donc on va les utiliser donc, pour tout ce qui est lapin. Ça va être bien. Ça nous permettra de garder ça un peu de côté. Parce que c'est vrai que des fois, je me dis, je devrais quand même utiliser les pierres au lieu d'utiliser mes flèches pour les lapins. Mais bon, c'est tellement chiant de le faire avec avec les pierres maintenant. Voilà, très bien. Hop. Nickel. On va recharger la lampe. Ravitailler. Très bien. Elle est à... 1 litre, parfait. Ça, on va le déposer parce que ça prend du poids pour rien. On a combien de flèches sur nous? Alors, 12, 14. 14. Je veux bien une 5e, enfin une 15e, pardon. On a encore des fûts de flèches, ça va. Ça, on peut le déposer. Parce que maintenant, je crois que la prochaine fois, on va aller récupérer la radio. Hein, donc, on va devoir voyager. On va faire des petits arrêts aux endroits où on connaît. Juste un peu pour voir si on ne trouve pas des tours et tout ça. Mais je pense qu'on va aller récupérer la radio la prochaine fois. Encore une fois, je vais débattre avec moi-même si je vous montre en fait le chemin. Mais honnêtement, le chemin est pas mal non plus. C'est quand même une bonne expérience, donc je pense que ça vaut le coup d'y retourner, de refaire des épisodes dessus, même si on connaît un peu le chemin maintenant. Mais ça va nous permettre d'explorer un peu plus, c'est ça qui est bien. La pierre à aiguiser nécessaire de couture, il faudrait que je les change. Les vêtements... Ah oui, c'est vrai qu'on a eu des bottes de marche. De marche, très bien. Les vêtements, je pense qu'ils sont bons. Ça aussi, on est bon. On va essayer de trouver aussi beaucoup de glands et tout. Ça, il faudrait qu'on fasse vraiment un... Parce que, je vais être honnête, j'ai pas envie de me trimballer avec le marteau. C'est quand même 2 kilos. Même si on a le sac à dos technique et tout ça, je préfère voyager léger. Parce que si c'est pour prendre le marteau et juste l'utiliser sur des glands, c'est pas vraiment très intéressant. Donc je préfère attendre, genre faire une bonne réserve, attendre qu'on rentre à un camp où on a un marteau. De toute façon, là, on a un marteau ici, donc c'est bon. Par contre, le problème, c'est que je crois que j'avais des... Tiens, il faut que je prenne ça aussi. Je crois que j'avais des marteaux que j'avais laissés à des forges, parce que honnêtement, ça ne sert pas à autre chose. Hein. Le marteau lourd, ça ne sert que à forger, surtout. Et du coup, c'est possible qu'on n'en ait pas partout. Bon, après, on en a un ici. Là, au moins, on est sûr d'en avoir un ici. C'est déjà ça. C'est une bonne chose. Ouais, on est bon. On est bon, on est bon. On est très résistant. Ouais. On va s'arrêter là. Il fait pas tout à fait nuit. Je vais rentrer et sortir pour histoire de sauvegarder, en fait. Je vais pas dormir maintenant parce que je vais encore préparer mon inventaire. Voilà, je veux encore préparer mon inventaire, hein. Et après moi je dormirai, et comme ça le prochain épisode, on partira à l'aventure, donc voilà, ouais, on va faire comme ça, ce sera bien. Donc du coup, ouais non, je l'avais pas marqué je crois la mine, ça c'est bien maintenant là, mine abandonnée. Donc du coup, on va faire beaucoup de voyages, donc on part de l'autoroute, donc, alors on va devoir repasser... Par là,
Ici, ça nous mène où? Ça nous mène directement au lac Mystère, je crois. Ou d'abord, c'est le ravin, je me rappelle plus. Je crois que ça nous mène directement au lac Mystère. Je crois. Ah, j'ai un doute maintenant. Je sais plus. J'aurais bien voulu faire la crique lugubre et tout ça, Black Rock et tout, mais bon. Comme j'ai dit, d'abord, maintenant, c'est la radio. Ouais, je sais plus exactement. Bon, bref, on va repasser par là. Quand on sera au lac Mystère, on va faire une petite pause. Alors, on a un problème de lac Mystère, parce qu'il y a le barrage. Le barrage, on l'a déjà fait. Le barrage est ultra grand. Donc, je pense qu'on va refaire un tour au barrage quand même, histoire de faire le tour pour récupérer tout ce qui est genre composants électriques, hein, qui est nouveau. Je pense qu'on va faire le tour. On va refaire le tour du barrage au lac Mystère. Après, on va devoir traverser Muskegmorn. Muskegmorn, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. À moins qu'il y ait une tour radio ici à fixer, il n'y a pas grand-chose. Et après, on va aller à la voie ferrée détruite et on continue. Et on continuera donc à la nouvelle zone. Honnêtement, la nouvelle zone, je ne me rappelle plus trop du chemin. Je crois que le chemin n'était pas difficile. C'était assez droit, tout droit, tout droit. Il n'y avait pas vraiment de bifurcation, donc c'est un peu dur de se perdre. Mais on va devoir bien se blinder de nourriture et tout ça pour y aller. Je vais peut-être réparer mes bottes. C'est que 77%, c'est pas... J'ai beaucoup de peaux de serre. 2, 3, 4, 5. 5. Ah, j'ai des fourrures d'ours aussi. Je vais voir, t'es à combien toi? 86%? Ouais, ça va. On a déjà 2, 86, 94. Ouais, non, on est bon, non, on n'a pas besoin vraiment de réparer. Peut-être les chaussettes à la limite. Mais ouais, non, on est bon pour pour se balader. De toute façon, on a le matériel sur nous. Il faut juste faire des petites pauses pour se réchauffer et manger au cas où. On a assez de flèches. J'aime beaucoup l'écho qu'ils ont rajouté, parce que ça, c'était pas aussi bien, hein, je crois. Vous entendez l'écho? Vous entendez? Sympa. Enfin bref. On a déjà fait des zones, en fait. Donc, ce ne sera pas des zones de découverte où on se balade partout et tout ça. Donc, on a vraiment un seul objectif, c'est la radio. C'est la radio. Donc, ça ira vite. Peut-être en deux épisodes, on sera de retour à la voie... pas la voie, l'aéroport, je pense. Et après, à l'aéroport, on va devoir ouais, refaire. L'aéroport, j'aime pas du tout, honnêtement. Pff, oh là là. J'aime vraiment pas la zone. Je sais qu'il y avait la maison en hauteur. Je sais qu'après, il y a l'aéroport lui-même. Et l'aéroport lui-même, il est tellement mal fait. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va être embêtant. Je vais pas passer un bon moment. Honnêtement, je vais trouver la radio et on fait la mission ou quoi que ce soit. Puis après, on se casse d'ici. Hein, parce que c'est vraiment pas un endroit que j'aime. Mais ouais. Mais ça va être fun. On va avoir du fun. Ça va, on va avoir du fun. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Donc, c'est la reprise du. C'est la reprise enfin de The Long Dark. On a enfin les rajouts. Donc, ça, c'est cool. Donc, à la prochaine. Dites-moi dans les commentaires, encore une fois, s'il y a les. Genre, si vous avez même des cartes, honnêtement, avec les emplacements des tours radio, des fois, ça peut être. Ah, je demande pas. Enfin, si, je demande un peu de me faire spoiler, parce que comme ça, on pourra directement y aller. Ça sera no nos aventures. Parce que refaire les zones, encore une fois, c'est un peu embêtant. À chaque fois de refaire les mêmes zones. Parce que là, on a des zones qu'on a déjà vues, comme ici. Et on doit fouiller, genre, derrière nos objets pour voir s'il n'y a pas des nouveautés, quoi. Ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.